on appelle ça les déchets des trois œufs, mais on les valorise quand même. Donc du coup, on a vraiment toute une partie valorisée qui n'est pas négligeable, quoi. Donc à la fin des déchets, on en fait des belles choses quand même. Le but, c'est de faire des projets de coopération entre les entreprises, les associations, les collectivités et les centres de formation. Et le premier projet du PTCE, c'était la coordination de collecte et de traitement des équipements électriques et électroniques avec différents acteurs sur le territoire. Alors les membres du projet, c'est l'Alpège, qui a créé une ressourcerie, Gâtinais en transition, le chantier ICAR, qui est un chantier d'insertion hébergé par le SMIRTOM. Ces structures ont été réunies parce qu'elles travaillent sur les mêmes thématiques, donc l'insertion et aussi la circularité pour le recyclage, le réemploi des équipements électriques et électroniques, donc chacune sous différentes formes. Donc dans notre coopération, on collecte les ordinateurs, quelques imprimantes, et tous ces ordinateurs sont reconditionnés pour être ensuite redistribués à des personnes nécessiteuses ou certaines revendues. Donc ces ordinateurs proviennent pour beaucoup d'industriels, on va ensuite revaloriser et remettre dans le circuit. Et tout ce qu'on ne peut pas revaloriser repart en boucle vertueuse chez ICAR, dans le chantier d'insertion, pour être démantelé. Nous, on est plutôt dans la phase finale, c'est-à-dire qu'on a déjà l'Alpège qui récupère ce qui, pour sa ressourcerie, ce qui peut être réutilisé. Ensuite, on a Gâtinais en transition qui va récupérer tout ce qui est informatique et qui peut être aussi réutilisé. Et puis, ce qui ne peut pas être réutilisé, finalement, c'est nous qui allons le récupérer pour démanteler et valoriser les différents composants des matériels qu'on nous confie. Donc on va effectivement démanteler et puis faire le tri sur les métaux, les composants informatiques, les câbles, les plastiques. Pour la mise en œuvre, la difficulté, c'est le manque d'habitude de travail en coopération. Donc il y a au début une certaine méfiance de savoir qu'est-ce qu'on va me demander? Comment on va me demander de m'impliquer? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que je ne vais pas perdre aussi un petit peu? Donc il y a eu tout un travail de mise en confiance de tous les acteurs pour dire on est là pour travailler ensemble, pour être le plus intelligent possible ensemble et que chacun y gagne. Petit à petit, il y a vraiment ce climat de confiance qui s'est installé parce que toutes les structures ont bien vu qu'on travaillait vraiment dans la même direction pour développer le territoire et surtout pour que chacun puisse continuer d'exister. Parce que le risque, c'était que si chacun travaille de son côté, que tous les dangers que vivent les associations les fassent devenir de plus en plus précaires au sein de leur fonctionnement et que d'autres plus grosses structures viennent prendre les flux aussi sur le territoire et que petit à petit, elles finissent par disparaître. Et la deuxième difficulté, c'est le modèle socio-économique du PTCE pour pouvoir faire ce travail de collaboration et d'alliance locale. Parce que ce travail-là de catalyse territoriale, d'ingénierie d'alliance, n'est pas financé sur le long terme. Et du coup, cette difficulté, c'est comment réussir à pérenniser cette ingénierie d'alliance. Le fait d'intégrer ce PTCE nous a permis de travailler en collaboration avec les autres associations que l'on connaissait déjà, on avait déjà des contacts, mais plus étroitement, et de faire vraiment action commune. Fratercité, donc c'est une régie de quartier qui intervient à Chalette-sur-Loing, donc la ville de Chalette a trois quartiers prioritaires, donc on porte des chantiers d'insertion, et le principe d'une régie de quartier, c'est de faire avec et pour les habitants. On avait déjà travaillé en partenariat avec Gâtinais en transition, et puis donc l'année dernière, ils nous ont informé qu'ils avaient recruté une conseillère numérique et nous ont sollicité pour démarrer une première séance de formation numérique. Et donc on a expérimenté cette première séance avec un petit groupe de 5 de nos salariés en insertion issus de quartiers prioritaires sur Chalette. J'ai participé grâce à Fratercité que je travaille parce que je ne connaissais pas du tout l'ordinateur. Et du coup, j'ai participé à ce projet pour apprendre les bases.
J'ai un ordinateur à la maison, oui, et j'arrive à m'en servir mieux quand même. Donc l'objectif pour nos salariés qui sont confrontés à la fracture numérique, c'était déjà de faire tomber un peu les préjugés par rapport au numérique, nourri un petit peu par les relations un petit peu, les relations dématérialisées qu'ils ont avec les institutions, qui sont de plus en plus complexes et qui les éloignent un petit peu plus. Et puis du coup, nous, ça va permettre de venir un peu en complémentarité de ce que l'on fait déjà auprès des habitants, puisqu'on a une médiatrice adulte relais qui fait de la médiation administrative. Donc, idéalement, à terme, ce serait déjà de les aider dans leur démarche et de les amener à devenir petit à petit autonomes, déjà dans l'utilisation d'un outil informatique, et pourquoi pas à terme de pouvoir faire leur démarche seuls.